Cet essai-là me donne envie d'essayer avec le marc de café, hein, pour voir si, avec le marc de café répandu par terre, si on utilise une fois le café là moulu et qu'on le répand une fois qu'on l'a fait sécher, est-ce que ça donnerait pas des choses aussi intéressantes, hein? Et donc, dans ce cas-là, il faut récupérer pas seulement les sachets d'infusion ou de thé, mais aussi les marcs de café dans chacun des cafés, pour pouvoir ensuite les répandre sur des lino clairs comme ça, et puis ensuite découvrir et faire des prises de vue, des recherches plastiques. Oui, c'est admirable, c'est sans fin et c'est génial.